Je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste, romancière et créatrice d'œuvres à mes œuvres perdues. Je suis à Strasbourg en ce moment pour accorder des interviews aux béquilles de Strasbourg. Et dans le cadre de ces interviews-là, j'ai commencé par le chef. Je vais m'entretenir avec les membres de la communauté béquille pour connaître exactement qui est le chef, si ses habitants ont des témoignages. Ce soir, j'ai l'insigne honneur de parler à plusieurs artistes camerounais de renom, bien sûr, et moi-même compris, pour qu'on explique au béquilles qui est vraiment le chef d'Olido. J'ai un témoignage à propos et je n'hésiterai pas à en parler pour que les gens sachent. Parce que le témoignage, il est mieux quand il est vivant. C'est pas après qu'on a des remords qu'on vient dire qui est le chef de Rideau. Parce que les gens entendent parler, ils savent pas exactement qui c'est. Bonjour. Dans le cadre des interviews que j'accorde au chef de Strasbourg, au chef des métiers de Strasbourg, je reviens vers lui et je dois vous rappeler qu'il y a beaucoup d'artistes ce soir qui vont intervenir et il y aura aussi des témoignages. Depuis la dernière fois, comment portez-vous? Je me porte très bien, madame. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la chefferie? La chefferie, je suis toujours content que les gens se retrouvent à la chefferie. Les artistes, Bidaran Tessela, moi je suis content. Hein? Ah ouais. Ça me fait Azombo vraiment plaisir. Azombela, il y a Tanusela. Tanusela. Il y a aussi notre charmante épouse. Il y a aussi, elle s'appelle Biberon Cerveau. Biberon Cerveau. Ils sont là, ils sont en train d'accueillir même les gens qui vont arriver pour ce soir. Il y a Pichouquet là, il y a Petit. Dans la chefferie, c'est toujours des entrées, des sorties. Et comme j'avais demandé la dernière fois, comment faites-vous pour accueillir autant de monde quand on sait que chez nous, les bêtis, c'est le ventre. Il faut manger, il faut boire. Vous faites comment pour gérer cette situation? Vous recevez des subventions? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fait-man? Je n'ai pas encore reçu même les vous maintenez rien. Que vous n'avez jamais reçu un copec? Non, rien. En dehors, il y a eu la soirée de la journée de la femme qui avait eu avec les Camerounais. Oui. Je n'ai jamais rien eu que les Stéphane. Stéphane, ils ont fait une soirée avec l'ambassade qui était là. Mais je n'ai jamais rien eu. Mais je fais ça avec la volonté de Dieu et votre volonté vous-même. Que les gens cotisent pour que je puisse faire manger les gens. Moi-même, il y a les matins que je me dis que mais on va faire comment pour manger. Mais il y a toujours une solution. Il a été raconté que chez vous, quand on arrive, on est sans papier. Or, il ressort avec des papiers, un mari, une maison. Vous avez quoi? Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés à la chefferie. Oui. Il y a eu pas mal de personnes qui sont passés, ils sont partis, ils ont vu comment la chefferie se passe. Et quand il y a un problème, quand le chef appelle. Oui. Il y a eu Zélé le Bombardier qui est passé à la chefferie. Zélé le Bombardier. Effectivement, est-ce que je mâche les mots? Je ne mâche pas les mots. Oui. Il y a les gens qui m'ont soutenu à Mulhouse comme Paris Sonambélé. Et il y a un code aussi Tony qui était passé à la chefferie. Moi-même, je voudrais. Je ne peux pas compter qui. Je voudrais faire un témoignage pendant qu'on y est. Moi-même, je suis arrivée. Je n'ai pas travaillé, ça fait 10 ans. Parce que j'habite une petite ville où, bon, c'est compliqué de trouver du travail. Et puis aujourd'hui, je suis à Strasbourg. J'ai trouvé du travail. J'ai 2 CDI. Grâce au chef d'Olido, il faudrait que les métiers apprennent à le dire. J'ai 2 CDI, je travaille. C'est grâce à lui et il m'héberge gratuitement. C'est quelque chose d'incroyable qu'il y ait encore des Camerounais, des métiers. Parce que les métiers, on est taxés aujourd'hui de méchants. Les gens jugent qu'il y a encore des métiers généreux. Je tenais à le dire parce que les gens me voient à Strasbourg, ils s'imaginent, je ne sais pas quoi. J'ai trouvé du travail grâce à Dorido, 2 CDI. Il y a certains jours où je travaille le soir et d'autres jours où je travaille en journée dans une maison de retraite. Je tenais à vous dire solennellement merci. Ne changez pas, continuez. Vous êtes un homme bon. J'entendais parler de vous, je l'ignorais. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante que
après tous ces déboires que j'ai vécu, je retravaille, parce que à un certain âge, c'est pas facile de trouver du travail quand vous avez dépassé la cinquantaine. Mais grâce à Dorido et son épouse, j'ai pu retravailler et je suis très heureuse. Vous savez que le travail éloigne beaucoup le monde. Vous avez observé que vous ne me voyez pas beaucoup. Mais c'est parce que je bosse. Merci beaucoup. Je vous remercie pour me donner ces fleurs, mais je voudrais dire toujours aux Camerounais que beaucoup de gens ne me connaissent même pas très bien. Les gens ne me connaissent pas très bien. Parce que beaucoup de gens, ils croient que quand je suis avec, parce que je suis l'ami des filles ou bien je suis ami avec tout le monde. Je suis quelqu'un qui est très direct. Sincèrement bon. Hein? Et vous êtes arrivé à la maison. Vous avez vu comment je suis. Oui. Azombe est arrivé à la maison. Et je remercie toujours Tano Soué. Et là, c'est maintenant même. Mon épouse, c'est qui suis-je? Parce que comme ma femme, les gens voulaient mettre beaucoup des idées derrière sa main. Alors que les haineux, les jaloux. Et donc, bon, bref, cette femme, c'est une ma partie dame. De cas. Vous avez la chance d'avoir une dame aussi dynamique. Parce que j'ai accueilli pas mal de choses. Bon, les Stéphane Bobby pourront vous dire un jour. Je n'ai pas accueilli non, qui, que ce soit Bamileke, que ce soit qui. Vous ne choisissez pas. Bon, moi, je confirme. Tu es Camerounais, tu es Camerounais. Moi, je prends. Il n'y a pas de problème. Tant que tu ne me manques pas du respect, on est bien. Moi, je ne peux pas manquer du respect. Parce qu'il y a un moment, tu manques du respect à une femme, tu dis que bon, là, on va le lit, il va manquer du respect à la maison. Ça veut dire ta femme, ta propre oui. femme. Vous avez réglé que, ouais. tout ça. Et donc, moi, j'ai compris tout ça depuis le Cameroun. Mais, il faudra que nous, les Camerounais, on sache qu'il y a toujours les aînés. Les aînés, c'est qui? Celui qui te dépasse, porte son sac. C'est difficile à intégrer. Ne prenez pas les titres qui ne vous vont pas, qui ne peuvent même pas avec vous. C'est les titres très lourds. Et dans le cadre des soirées culturelles qui approchent, est-ce que vous allez recommencer à programmer des artistes? Parce que les artistes vous côtoient, parce que il est dit, il est raconté que vous avez l'habitude d'inviter des artistes pour des soirées. Est-ce que vous allez recommencer ce travail? Ça, c'est une bonne question, madame. Je voulais vous dire que j'ai déjà des artistes qui sont là. Et il y a Petit Vieux qui est chargé de tout ça. On a donné à Petit Vieux de faire d'abord la rentrée scolaire. Oui. Nous sommes en train de chercher une salle, de faire la fête de la musique. On va trouver la salle oui. et de faire la fête des Camerounais. Et la journée de la femme aussi. Et là, déjà, la journée de la femme va venir. C'est ça même peut-être. Si on ne peut pas louper, il y a deux choses on ne peut pas louper. Les rentrées scolaires et la journée de la femme qui est là, déjà là. Nous sommes en train de préparer ça. Oui. Nous sommes en train, vraiment, nous sommes en train de la préparer. Et donc, il y a la fête de la musique. On a fait la fête de la musique ici. Il y avait les Tanoussou qui ont chanté. Ils ont mis ça sur Facebook. C'est parti. On a fait dehors. Mais prochainement, ce n'est plus dehors. Ça serait vraiment... Oui, parce que vous... Et vous comme fait de la musique, moi, je vais aller à la mairie. Moi-même, je vais à la mairie. J'ai quand même pas mal de relations. Je vais aller à la mairie. On va me trouver où ce soit en Pâques, où ce soir, ça serait un samedi. Fait de la musique. Je saurai comment je veux habiller. J'ai les gens qui peuvent habiller, même s'il pleut comment, j'en serai à la pluie. La fête de la musique, c'est en juin. Et en juin même, je ne sais pas quand est-ce ça va tomber. Parce qu'en juin, je dois faire la première communion de Luna, je dois fêter... Luna, c'est votre fille. Ouais, je dois fêter mes 50 ans. Je dois aussi faire la fête de la musique. Comme c'est le 21, mais je ne sais pas quand est-ce Luna prend la première communion. Le 15. Le 15, bon, ouais, on a le temps. Et donc, les salles, moi je n'ai pas un problème de salles. Ouais. Si maintenant je ne donne plus les salles aux gens, c'est moi qui donne les salles aux gens. Je ne donne plus les salles parce qu'il y a un manque de respect. Je suis obligé de venir dans la salle pour ramasser
les choses qui sont par terre. Les gens s'en foutent parce qu'il a gagné son argent. Chez moi, ça ne marche pas comme ça. Vous avez raison. Mais pour moi, je n'ai pas de problème de salle. Mais pour redonner une salle à quelqu'un, c'est très dur maintenant. J'ai trouvé beaucoup d'artistes ce soir. Est-ce que vous les avez invités ou bien ils viennent par affinité, parce qu'ils savent que vous êtes un homme accueillant, ou bien ils reçoivent des invitations? Comment ça se passe chez Merci, je dis toujours merci. Quand ils arrivent, quand tu as malheur, il faudra que tu aies le bonheur. Et ce que je dis toujours, que le bonheur vient d'où? Parce que tu peux avoir le bonheur maintenant et tu as malheur. Ouais. Et quand je vois mes enfants arriver, je suis content. Si ma fille me dit que je fais une surprise, je viens te rendre visite. Je suis content, non? Oui. Ça retombe comme si Jésus a dit, vous allez vous séparer. Il amène tous ses apôtres dans un champ. Vous allez vous séparer. Vous parlez une seule langue, après ça, tout le monde commence à parler une autre langue et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que les langues arrivent. Parce qu'il a séparé ses apôtres. Alors, je disais tantôt que il y a des personnes qui veulent faire des témoignages, des artistes qui veulent témoigner. Quand on témoigne, c'est pas parce que... parce que les Africains, les Camerounais, c'est pour ça que je dis que c'est quand même important d'avoir une culture de vie assez stable. Quand on remercie quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes lâche ou bien parce que vous n'avez rien à faire. La reconnaissance vient de l'intérieur. C'est ça qui vous fait avancer. Vous m'avez entendu. Moi, j'ai fait un témoignage. Je n'ai pas honte d'aller travailler parce que c'est Dorido qui va trouver le travail. Je suis plutôt fière. Mais je dois le dire parce que c'est important que les Camerounais sachent que le vivre ensemble, l'amour entre Camerounais doit perdurer, continuer. Les coups bas, les rancunes, les rancœurs ne devront plus exister entre nous. Nous sommes tous frères et sœurs. Quand tu peux aider ton frère, n'hésite pas. C'est pour ça que le chef et son épouse m'ont tendu la main. Je souffrais parce que sur Internet, moi, j'ai rien gagné et j'étais là, je m'ennuyais, alors que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler et j'avais des difficultés à travailler. Il a suffi d'un coup de fil et je me suis retrouvé en train de travailler. Quand je l'ai dit, ça prouve que notre chef est un vrai chef. Parce que les gens ont tendance à prendre ça comme de la rigolade, alors que c'est un vrai chef qui peut résoudre des problèmes de cet ordre-là. Trouver du travail, ça éloigne de beaucoup de mots. Est-ce qu'il y a un artiste ce soir parmi nous qui veut témoigner pour continuer dans le cadre de ces interviews que j'accorde au chef et que les gens sachent que les petits, c'est pas les petits qu'on entend que oui, ils se querellent, ils se tripent, ils se frichent. Non, les petits se soutiennent. Mais oui, c'est parce que nous sommes petits ou nous sommes assis là. C'est pas un chef fade. C'est un chef qui agit, qui pose des actes. Tous les matins, je rends grâce à Dieu de retravailler. Ma vie a changé, je me sens épanouie, je suis équilibrée. C'est une fierté. Et c'est grâce à ce couple, au chef qui a dit non, la grande sœur ne peut pas galérer alors que je suis là. Combien de gens le font aujourd'hui? Tout le monde garde tout pour lui, on bloque tout, on ne veut pas aider les autres. Je vous remercie sincèrement de continuer dans cet échange-là. Il y a des artistes, comme je vous ai dit. Il y a Azombo qui est là. Je l'appelle Azombo parce que c'est le nom que vous reconnaissez. Il y a Thanos Foué. Il y a le docteur Joquet. Et bien d'autres personnes. S'il y en a qui veulent témoigner, on vous donne la parole parce qu'on est tous là. Et on va continuer les interviews. Je vous appelle Azombo parce que voilà. Armel Diamant. Mais Azombo, c'est le titre qui vous a mis en lumière, oui. Qui vous a confirmé dans votre métier d'artiste. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Et très, très fière d'être à la chefferie. Moi, je fais mon témoignage parce que je suis arrivée à Strasbourg, dans un pays, je sortais du Cameroun, pour mon déplacement pour la deuxième fois. Volume. Qui s'est mal passé, parce qu'il faudrait qu'on se dise les vérités. Oui. Qui s'est mal passé, je suis venue pour un spectacle
Et à la fin, je me suis retrouvée dupée. Vraiment, vraiment dupée. Et heureusement que j'ai retrouvé mon père Thanos. C'est Thanos qui me ramène chez le chef. Au premier moment, nous sommes venus. Il m'a amené chez le chef pour dire, pour saluer le chef et son épouse. Et quand j'ai eu les difficultés, il n'a pas hésité à me tendre la main. J'ai passé du temps dans cette maison. J'étais comme chez moi. Quand je dis chez moi, vraiment comme chez moi. J'étais accueilli. Il s'occupait de moi. Moi, ça m'a touché parce que ici en Europe, même dans nos, quand on se retrouve dans nos familles, c'est pas évident. Pas du tout. Parfois, tu arrives dans, chez un membre de ta famille. On ne t'accueille pas tous les jours. Hein. Si tu fais deux jours, on t'accueille. Troisième jour, là, il faut déjà accueillir. On commence à te dire des mots, on te balance des trucs. Mais non, le couple à Bada est très, 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 très accueillant. Et je tiens à remercier ce couple. Vraiment merci pour votre accueil et tout ce que vous faites. Surtout qu'on n'a pas de bonnes nouvelles depuis. Oui. Armel, elle est vivante, elle est là. Donc, elle est encore en Europe. Elle va y vivre. Oh, oui. Et pour la suite, vous vous portez bien, vous avez des projets, vous allez continuer à chanter. Est-ce qu'il y a toujours des spectacles en vue? Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des spectacles. Et le promoteur qui vous a trompé, comment ça s'est fini? C'est fini en queue de poisson? Il ne vous a pas payé. Pour l'instant, c'est en queue de poisson. Comme je dis là, c'est un problème en stand-by parce que l'autre, il va falloir une vraie sortie pour me concentrer essentiellement pour ce problème. C'est pour cela que je n'ai pas envie de parler de ça. Mais ça, grosso modo, vous vous portez bien. Oui. Vous avez été abusé par un promoteur camerounais. Oui. Et la vie continue. Un autre jour, vous reviendrez nous dire la vérité. Ce qui m'a beaucoup dérangé, ce qui m'a toujours dérangé avec les Camerounais, c'est que vous ne parlez pas. Merci, Armel. Il faut dénoncer les méchants. Ah oui. Moi, je suis dans la vérité. Si les gens me remarquent, c'est parce que moi, j'ai toujours dit la vérité. Je n'ai pas peur. Quand vous couvrez les méchants, il va continuer à faire ça à d'autres artistes. Donc, il faudra prendre le temps. On ne va pas vous harceler aujourd'hui pour le dire. Mais sachez que vous devez donner le nom de ce promoteur-là pour qu'on sache qui il est. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez un autre mot, je ne sais pas, un mot de fin. Mot de fin, c'est dire merci. Merci à tous mes frères, mes aînés qui m'ont accueilli, qui continuent à me soutenir. Merci au chef et à son épouse. Et merci à tout le monde. Parce que Stéphane connaît vraiment le chef, la chefferie. C'est un ami à moi. Et il fait partie du bureau de tous les Camerounais. Il fait partie du bureau. Quand on s'appelle président, Akas. ACAS, c'est l'association de tous les Camerounais. Et que c'est de Strasbourg. Et donc, alors, il fait partie des membres influents. Influents. Et il fait partie du bureau. Bonjour, bonsoir. Je suis Stéphane Kémonier, responsable culturel de l'ACAS à Strasbourg. Présidente, la femme du chef de Rido, mon ami. Et le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est comment faire pour développer la culture camerounaise à Strasbourg. Nous avons essayé pendant un bon bout de temps avec la présidente, Madame Livia de Rido, Abada. Nous sommes avancés à certains points et nous sommes calés à certains points. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Je m'excuse de me répéter, c'est parce que il y a beaucoup de non-dits et aussi beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre les responsabilités. Et ceci, il ne s'agit pas de M. Abada ou bien de Mme Abada. Nous avons une organisation, un groupe qui a été créé, un bureau qui a été créé, et beaucoup de personnes, sans mot dire, ont démissionné de leur poste sans même avancer une lettre de démission
et entre guillemets, nous ne savons pas pourquoi. J'y suis encore aujourd'hui et je maintiens parce que je crois au Cameroun. Au Cameroun dont je suis né, où mon nombril était enterré et d'où je ne pense et je ne vis que pour le Cameroun, malgré que je suis en Europe, à Strasbourg, depuis plus de 25 ans. Je suis extrêmement chagriné. Extrêmement chagriné. Je n'arrive pas à avancer aujourd'hui à Strasbourg avec les ambitions que j'avais prévues pour le Cameroun parce que il y a énormément de failles. Quand on veut avancer, on ne peut pas avancer parce que nous avons des manquements et quand on demande à notre gouvernement, ils ne peuvent pas nous apporter de l'aide dont nous avons besoin. Et je me retourne tout le temps auprès de ma présidente qui est effectivement la présidente, la représentante de la CAS de Strasbourg. Vous demandez quoi au gouvernement? Une petite subvention pour pouvoir développer la culture camerounaise à travers la France. Et vous avez demandé à qui? Strasbourg. Vous êtes adressé à qui? À une ambassade? S'il vous plaît, nous avons fait des demandes auprès de l'ambassade du Cameroun à Paris. Et vous n'avez pas eu de réponse? Nous avons eu une réponse la première année. S'il vous plaît. Nous avons eu la réponse, une réponse la première année et le reste du temps, il n'y a pas eu de réponse. Et nous avons dû œuvrer de nos propres poches pour pouvoir promouvoir la culture camerounaise à travers Strasbourg et l'Europe en France, de nos propres poches. Et on ne le revendique pas, nous ne sommes pas revanchards. C'est juste une sonnette d'alarme. C'est l'ambassade de notre pays, le cher pays Cameroun, de l'ambassade du Cameroun à Paris, pour le soutien qu'ils nous ont apporté lors de notre organisation à l'événement du 20 mai dernier. Et sincèrement, sans le soutien de l'ambassade, j'aurais pu compter encore sur le soutien de notre chef Abada de Rideau qui ne cesse de multiplier d'efforts pour rassembler les Camerounais de Strasbourg. Et jusqu'à ce jour, il n'arrête, il ne cesse de le faire. De tous les quatre points de l'Alsace et en dehors même de l'Alsace, il essaie de réunir les Camerounais et leur demander de se mobiliser pour la cause du Cameroun. Très dynamique aussi à la chefferie, qui peut parler, et voilà, vous allez lui accorder ce regard. Bonsoir Claire. Le Cameroun est un seul et indivisible. Parce que aujourd'hui, je ne peux même pas, de tous ceux qui nous écoutent, qui viennent du Cameroun, nous sommes tellement un peuple riche, riche de toutes choses, de toute nature, qu'aujourd'hui, je me vois mal de pouvoir diviser avec mes propres frères et sœurs parce qu'ils sont de différentes régions. C'est terrible ce qui se passe au Cameroun et je ne peux l'accepter. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très humble et très ouvert. Étant aujourd'hui chez M. Abada, à la chefferie à Strasbourg, d'où moi-même je réside, en présence de Mme Abada, que vous voyez présente, sincèrement, je vais vous dire, le Cameroun est indivisible. Je suis du MRC, M. Abada est du RDPC. Et c'est ça, nous vivons ensemble. Nous partageons les mêmes convictions. Et même quand nous ne sommes pas d'accord dans les convictions, on arrive à trouver un juste milieu et on continue à vivre ensemble. Je suis dans son domicile. Je consomme son vin, son repas. Madame me fait de la charité et de tout. On est là.
Et demain, on va se retrouver chez moi. Et ce sera du vivre ensemble au Cameroun. Et s'il vous plaît, chers compatriotes, je vous prie, prenez ce petit exemple, ce tout petit exemple. Je suis MRCiste, encarté, chez un RDPCiste, président, chef, ami, mais nous nous entendions. Il n'y a que les idées qui ne convergent pas. Mais sauf que nous pouvons nous entendre. En discutant, nous pouvons trouver un juste milieu pour rendre notre Cameroun un Cameroun meilleur pour nous tous. Je vous prie d'y méditer. Merci et bonne soirée. Voilà, vous avez entendu Stéphane dire sa vérité. Je l'ignorais, on est là depuis. Il n'a mordu personne. Nous aussi, on ne s'est pas attaqué à lui. Ça veut dire que les Camerounais devaient cultiver cet esprit-là de discussion, de convivialité, parce que nous sommes dans le même pays. Que les opposants et les RDPCistes essaient de discuter ces guéguerres sur Internet, vous nous fatiguez. C'est pour ça que j'ai pris du recul, parce que je ne sais pas pourquoi je bagarre. Je ne bouffe même rien, mais les gens bagarrent pour peu de choses. Donc nous allons conclure avec l'avis du chef, qui est aussi très important, le chef, qui est un RDPCiste pur et dur. Et qu'il reçoit un MRCiste, c'est la convivialité, c'est le vivre ensemble qui s'installe et qui doit continuer, parce que vous savez que les échéances électorales approchent. Inscrivez-vous dans les listes électorales, mais sachez que le MRC et le RDPC peuvent discuter et trouver des voies et moyens pour un Cameroun meilleur. Nous passons la parole au chef et il va conclure cette entrevue. Merci Stéphane, je suis très content, tu es mon ami. Et je voulais dire, MEC, non, nous on fait des intrigues ici. Entre nous, c'est des intrigues, ce n'est pas c'est la politique, ce n'est pas la bagarre. On se bagarre dans la bouche et après ça, nous on reste dans notre bière, bien un verre de whisky. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, les gens qui sont venus pour venir, il n'y a jamais eu la guerre à Strasbourg. Je me dis merci pour moi-même, parce que j'ai beaucoup calmé les gars qui voulaient venir casser Strasbourg par rapport qu'il y avait les soirées et tout et tout et tout. Mais j'ai dit, il n'y aura jamais la guerre. Parce que quoi, je le calme. Nous sommes toujours ici à la chefferie. Nous sommes un ici, hein. En Alsace, nous sommes un. Pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Nous sommes un pour le Cameroun. Donc, restons un. Je veux qu'on soit un. On restera un. Et vive le Cameroun. Et vive la population camerounaise. Voilà les élections. Si vous allez choisir, qui vous allez choisir, on est un. On merci. Va marcher à par rapport au président de la République, ce qu'il veut. Charismatique, mignonne. Comment allez-vous, chère madame? Très bien, je vous remercie. Très bien. On entend tellement parler de vous. Vous êtes très rare à la chefferie et très présente aussi en même temps. Dites-nous, quel est votre secret pour que le chef rayonne toujours avec des belles tenues? J'ai reçu beaucoup de personnes qui me demandent où vous achetez ces vêtements. C'est vous qui vous occupez de son look, je pense bien. Ben écoutez, déjà, bonsoir. À la base, le chef, c'est quelqu'un déjà de très coquet. Il s'occupe de lui. Il est maniaque dans ses actions, dans son vestimentaire, dans tout ce qu'il fait. Mais moi, en même temps, ce que je fais en tant que femme, c'est ce que toute femme fait. Elle regarde ce que monsieur porte et elle regarde ce qu'elle peut ajouter et ce qu'elle peut mettre de plus à la tenue du chef. Et comme toute femme, je le fais. Voilà. Alors, dans votre couple,
je pose la fameuse question, qui est le capitaine du bateau? C'est toujours le chef. Et vous, à ses côtés, qu'est-ce que vous apportez comme femme dans l'épanouissement, les repas? C'est vous qui concoctez les repas d'une main de poigne? Un petit secret pour qu'un chef soit bien nourri? Vous pouvez nous dire un peu? Écoutez, moi, je suis déjà à la base de mentalité et d'éducation mixte, parce que j'ai grandi en Europe. Je suis venue à l'âge de 6 ans en Europe. Donc, dans ma vie, j'ai toujours cette mixité. Oui. Et mon mari m'apporte, il m'apaise. Oui. Que ce soit dans les repas, que ce soit dans le divers. Oui, je dois rappeler que le chef, c'est un grand cuisinier. C'est ça, exactement. Ah, oui. Et voilà, le chef, il a un art pour la cuisine qui est extraordinaire. Il fait de très bons plats. Et maintenant, moi, en tant que femme, je fais ce que je peux. Maintenant, en tant que femme, il faut que j'aille au-delà du chef pour rester femme. Ouais. Vous comprenez? Et c'est très difficile, vous voyez, madame. C'est très difficile. Mais maintenant, moi, je ne suis pas complexée et j'adore ce qu'il fait. Et moi aussi, je fais ce que je peux. Voilà. Pendant qu'on y est, j'ai dit que chez vous, c'est les entrées et les sorties. Oui. Ça veut dire que vous et le chef, vous êtes complémentaires. C'est un homme généreux. Vous aussi, vous êtes généreuse. Parce que si le mari est bon et la femme est méchante, les gens ne l'entreraient pas chez vous. Donc, vous deux, c'est comme si c'est le même moule qui vous a créé. Tout ce qu'il vous propose, vous êtes d'accord. Vous ne réchignez pas. Vous l'accompagnez vraiment. Bah écoutez, vous savez quoi, c'est comme un noyau. Oui. Un noyau a besoin de beaucoup de choses, a besoin d'amour, a besoin d'apaisement, a besoin peut-être d'arroser, de s'arroser, a besoin voilà de confort. Moi, mon mari et moi, on se conserve beaucoup dans toutes choses. Bonsoir, madame Zomobem. Très authentique, ma sœur, qui est toujours là pour nous soutenir aussi à la chefferie. Vous qui êtes à la chefferie aujourd'hui, vous connaissez, vous avez rencontré le chef et son épouse. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces jeunes gens dynamiques, ancrés à l'œuvre pour valoriser les petits? Je sais que ça vous a touché parce que vous êtes né aussi avec des parents authentiques. Vous avez grandi avec ces vertus où les petits doivent s'entraîner, s'aimer. Quand vous venez tout le temps ici, vous avez un paquet pour la chefferie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dites-nous un mot, si vous avez retenu quelque chose de positif à la chefferie, qui vous honore. Moi, je vis à Strasbourg et puis ma première fois que je viens à la chefferie, je suis étonnée de l'accueil. Quand tu vois le couple, la chefferie, c'est des jeunes, ces petits jeunes, mais l'accueil, franchement, ça te fait comme si tu étais en famille au Cameroun. Le couple, d'un commun accord, vous accueille et vous sentez, même si vous avez un fardeau, vous avez des problèmes du quotidien, et dans la chefferie, vous sentez comme si vous étiez en famille au Cameroun. Ça, c'est une maison thérapie. Ça, c'est une thérapie dans cette maison. C'est-à-dire que l'accueil, vous, c'est juste waouh. Je ne peux rien dire. Une famille comme ça, c'est rare de trouver une famille, un tel accueil. Surtout quand tu vois leur ils ne sont pas, c'est un jeune couple. Mais ils vous reçoivent avec des valeurs d'antan, ce qui est rare aujourd'hui. Voilà, voilà tout. Je peux juste dire merci au couple. Est-ce que vous avez un mot pour les petits? Vous qui approchez donc le chef et son épouse et nous autres à la chefferie, votre mot en tant que grande sœur pour que cette entente continue et voilà. Ce que j'ai d'abord, avant de répondre à ta question, ce que j'ai d'abord remarqué, c'est qu'à la chefferie, on trouve de tout.
Sur mon petit constat, j'ai vu qu'il y avait presque toutes les nations, toutes les ethnies étaient représentées. Il n'y a pas que les Bétis. Et moi, je voudrais dire aux Bétis de ne pas oublier nos mœurs et aussi le Cameroun tout entier, parce que moi, j'ai grandi en Kondongo. Moi, je me sens Vorumbi, quoique je suis de l'océan. Et quand je viens à la chefferie, c'est comme si je renais avec la diversité de tous ces tribus. C'est comme si il n'y a pas ce qu'on entend sur Facebook chez le chef. Nous sommes un. Nous ne sommes pas que les Bétis, mais ce n'est pas ça qui nous unit. C'est juste qu'on est Camerounais autour du chef. Oui. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est ça qui est rare aujourd'hui. Je confie aux Camerounais de devenir comme on était avant. Oui, de revenir au bon. Oui, on peut être différent politiquement, mais il faut qu'on reste frères, qu'on se respecte malgré nos divergences politiques, religieuses et tout ça. Qu'on soit un comme c'était aux années 80. Je vous remercie. Vous avez écouté Claire qui est très directe. Donc l'esprit d'entente, de collaboration est toujours maintenu. Si c'est un exemple que vous pouvez copier, copiez le bon exemple. Vraiment, chers Camerounais, nous avons fait beaucoup de guéguerres qui ne nous ont pas honorés ni rapporté quoi que ce soit. Personne n'a eu de médaille là-dedans. Donc nous devons continuer à s'entraider. Installons, réinstallons l'esprit de collaboration. Un peuple qui ne dialogue pas, ça, c'est des guéguerres tout le temps, à toutes les positions, à tous les niveaux. Les Camerounais, c'est crêpent les chignons pour des histoires à la con. Pourtant, la vie est éphémère. Personne n'emportera rien à sa mort. Changeons, s'il vous plaît. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, on aura d'autres échanges avec les membres de la communauté camerounaise. Portez-vous bien et au plaisir.